Ça ne peut pas continuer comme ça. Connectez-vous. 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 Ça a assez duré, cette histoire-là. Connectez-vous. Bon, moi, je vais démarrer et puis les autres vont prendre un chemin. Je sors de Koulamoutou. Je m'arrête au marché, au petit marché de Leima à Mwanda. Bonsoir, Coprel. Je m'arrête au petit marché de Mwanda. Bonsoir, Teddy. Du coup, tous les jeunes de Mwanda viennent vers moi. Ils me disent, grand, on te cherche. On a besoin de ton numéro. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, non, grand, il y a un meurtre. Je dis, quel meurtre? Ils me disent, non, ça s'est passé au commissariat de Mwanda. Il dit, mais expliquez-moi bien. Ils me disent, non, il y a un petit de Mwanda, le petit que j'ai publié la photo tout à l'heure, le petit député, qui était soupçonné d'avoir une paire de menottes et qu'il paraît qu'il s'est baladé avec cette paire de menottes-là et c'est la paire de menottes que les policiers cherchaient. Il a été arrêté, mis en cellule. Il a fait 11 jours de cellule. Je te précise bien, 11 jours. Or, au Gabon, dans la loi, on dit que c'est 48 heures de cellule. Soit on ajoute encore 48 heures pour nécessité d'enquête. On peut accepter 4 jours. Et on le met dans les bras de la justice. Mais curieusement, cet enfant a fait 11 jours incarcéré. Et ses co-détenus, les co-détenus, ceux qui étaient avec lui, ont expliqué à la famille qu'il a été torturé à mort. Il a trouvé la mort hier à 18h. C'est à 24h qu'on annonce à la famille que le petit député est mort. Et ils ont pris le corps de l'enfant, ils ont amené à la morgue à Franceville sans la présence de ses parents. Donc à l'heure là où on vous parle, cet enfant a été torturé au commissariat de Mwanda et est décédé. Monsieur le Président Oligui, il faut que vous tapez dessus sur cette histoire parce que les bavures policières, là, c'est quand même trop, jusqu'à mort d'homme. Voilà le petit Yannick qui a tué toute une famille ici à Franceville. Il a été protégé. Il n'a même pas été torturé. Il a été amené à Yéné. Sans que Yannick ne soit bastonné ou torturé pendant que lui, il a commis un meurtre visuel avec preuve. Mais nous nous demandons qui va encore nous protéger. Et ça, c'est quel problème qu'on peut torturer quelqu'un jusqu'à tuer la personne. Et ça se passe dans un commissariat. Ça se passe dans un commissariat. C'est pas normal. Il faut que le CTRI interpelle les policiers qui ont torturé députés. Parce que ne nous racontez pas des histoires que, oui, on les a interpellés, ils sont au ministère de, comment on appelle, à l'inspection de la police. Voilà, après, on va les relâcher ou pas les affecter dans d'autres unités ou pas en province. Je ne sais pas, on va les affecter là où on ne pourra plus voir ces policiers-là. Nous voulons la vérité. Qui a torturé député? Et pourquoi l'avoir tué? Même les criminels passent par les cellules, ne meurent pas. Ne sont pas torturés de cette manière-là. Qui a torturé député? Il faudrait que les policiers qui ont touché à cet enfant répondent devant la justice. Il faudrait que les policiers répondent devant la justice. Ils doivent être présentés au public. On a vu tout dernièrement, on a pris des policiers, on a monté là sur TikTok, partout, des policiers qui ont fait des bavures.
ceux de Moanda doivent subir le même sort. Quelqu'un a commis une bavure, quelqu'un a commis, quelqu'un a été indélicat, on prend la personne.